Oh mon bébé, ça fait longtemps que je t'ai pas utilisé. Bon, j'avais débranché la batterie, j'ai rebranché la batterie. Non, c'est pas vrai! Oh là 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 là, quel plaisir! Bon, c'est le confinement, on est genre mi-novembre. Oh, ça fait du bien! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique! Magnifique! Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Esta manifestiente. C'est Jean-Michel à peu près. Ouais, t'inquiète, je suis trilingue. I said why, I don't think anybody, I the why. Énorme, énorme. Y'a sa meuf qui lui donne à bouffer dedans, je suis mort. En même temps, il a un truc de Marseille. Je rigole. Je sais que les Marseillais, vous êtes peut-être un petit peu trop attachés à votre ville, donc. J'ai pas envie de perdre mes abonnés de Marseille. Et bah là, je vais faire ma révision. Merde, il y a la gendarmerie qui arrive derrière, c'est un peu relou. Parce que du coup, bah, j'ai encore ma plaque abîmée. Tu sais quoi, je vais m'arrêter là, la vite def. Devant Xina. Au calme. Je voulais vous montrer vite def, du coup, regardez-moi. La possibilité de ce genre de sac déjà. J'ai un énorme carton dedans. Et genre ça passe au calme. Bon au calme je sais pas mais ça passe. Si vous connaissez pas du coup c'est .65. .65 Sweden. Ils font des sacs, c'est des sacs un petit peu aventurés. Bref, ce que je voulais vous parler c'est regardez. Regardez-moi ça. Petit filtre à air Cayenne. Plaquette avant et arrière. Et dedans bah au fond il y a les bougies aussi. Est-ce que je peux les choper? Bon, je vous en chope une petite bougie. Je vais faire ma révision des 20 000 au garage. Du coup voilà, je voulais quand même remercier quand même Motard Pas Cher parce que c'est grâce à eux que je paye un petit peu moins cher ma révision des 20 000. Ouais, c'est le confinement, j'ai pas pris la moto depuis une plombe. Je vais faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de flics en ce moment avec les confinements, etc. La forme. Peut-être que j'ai toujours pas réparé la moto, comme j'utilise même pas et que les confinements. Allez, t'as vu, je me suis pris une petite béquille d'atelier là, avec un petit tapis bière, c'est nickel. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, elle a bien ripé quand même. Ouais, j'ai vu ta vidéo là. Ah ouais, t'as vu du coup, t'avais pas encore vu ou. Hein t'avais jamais, je t'avais pas montré la vidéo. Non. Bah, il fait un peu froid. Mais c'est le moment de récupérer la moto au garage. Du coup les plaquettes ont été changées, faut que je fasse un petit peu gaffe sur mes freinages, là que je les rôde un petit peu. Ouais merci. On rajoute d'ailleurs, la dernière fois je l'ai pas dit, mais c'est un partenariat un petit peu du coup avec Motard Pas Cher. Vous trouverez pas forcément tout ce que j'ai acheté sur leur site. Mais en attendant il y a énormément de choses quand même, il y a des casques, des blousons, de l'entretien et tout donc il y a pas de soucis. Oh, et le freinage, j'avais oublié que mes plaquettes étaient toutes neuves. Merci. Je voulais essayer un truc. Est-ce que si je dis genre OK Google, dis Siri, Alexa, ça active tous vos trucs et c'est chiant. Voilà. Si c'est pas chiant, c'est un peu con. Bah, je vais juste chez le coiffeur en fait là. Mais ouais, quand elle m'a proposé 18h30, j'ai pas spécialement pensé qu'on était en hiver quoi en fait. Donc il fait nuit, pas beau, il pleut. Moi je suis quelqu'un, j'adore le risque. La belle vie sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous. Que genre ça fait une plombe que j'ai pas fait de la moto et que je sais pas, que je la maîtrise beaucoup moins bien qu'avant. En vrai non pas du tout, hein. C'est un peu comme le vélo, ça se perd pas. Et l'expression de daron. En vrai, on est en décembre, il fait genre 12 degrés le matin. Mais il pleut quoi. Putain, je préférerais qu'il fasse froid en vrai, qu'il fasse 3-4 degrés, mais qu'il pleuve pas quoi. Merde, je me suis trompé de couplet. Le mec il s'enjaille, c'est même pas le bon truc de le. Ouais, ouais. J'arrête de parler moi, dis donc. Prince.
un traitement. Des fois, ma mère, elle me fait des tisanes. Bon, est-ce que du coup, je peux rentrer? Vous me dites si c'est possible. Je voulais monter 5 minutes juste pour montrer un petit peu la vue en GoPro qu'on y a. C'est pas possible? Non. Vraiment, en 5 minutes, dans 5 minutes, je suis redescendu. Vous avez pas pris de ticket et moi, je vais. Mais c'est pas pour me garer. Ouais, c'est pour aller voir. Ouais. J'en ai pour 5 minutes, c'est pour montrer. Vraiment, dans 5 minutes, je suis redescendu. Vous avez pas pris de ticket, vous avez pas payé. Ah, c'est beau. Oh, ils ont vraiment fait un bon taf là, les. Ah ouais, j'ai 10 minutes en plus avant de me casser, c'est vraiment sympa. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, t'as l'impression, tu domines ici. Je vous cache pas qu'on est, j'étais déjà monté, mais à ce moment-là, c'était pas autorisé, c'était pas légal. Bon, le coucher de soleil, il est un peu en train de se barrer par contre. Donc voilà, je vais pas rester longtemps parce qu'après, je vais devoir payer, ça va me saouler. Non, voilà, en dessous. Juste comme ça? Oui, comme ça. Je suis l'idiot du village, moi je comprenais même pas comment fallait faire. Je m'en vais à la poste, au centre de tri. Un réel plaisir le lendemain de Noël. Parce que ces petites ne toquent pas à la maison pour déposer les colis. Comment dire? À première vue, vous me paraissez être une belle bande de ratés. Putain, marqué la poste. 20 minutes later. Il était très gentil. Ça remonte un peu mon estime de la poste. Par contre, les livreurs, vous êtes des belles bandes de. Parce que franchement, c'est pas arrivé qu'à moi. Ça m'est arrivé deux fois en une semaine. Tranquille, la belle vie, mes grosses couilles. Pour tout vous dire, du coup, comme vous avez peut-être entendu, c'est Stock & Race qui m'envoie ces petits produits d'entretien. Les petits produits d'entretien. Donc, comme ça. De quoi bien préparer la brêle pour l'été qui revient. Je vous ferai des petites vidéos dessus, donc il n'y a pas de soucis, on fera ça tranquillou pilou. Personne dit tranquillou pilou en 2020, franchement. La poste. Le mec qui est trop omnibulé. J'ai placé le mot omnibulé en vidéo. Franchement, il y a trop moyen qu'on s'amuse à vous me donner des... Enfin, un par un, parce que franchement, si vous me les donnez tous, ça n'a aucun intérêt. Parce que sinon, vous allez le savoir et c'est pas drôle. Mais vous me donnez des mots que je dois placer naturellement en vidéo. Voilà, je suis sûr, je suis trop bon à ça. Ah bah si. Parce que je suis une. Allez, je suis totalement une. Tout vient au point. À qui c'est attendre? Moi je préfère saignant, mais l'expression reste vraie. Ouais. Même pas, je reste à côté de. Scooter blanc. Trois idiots. Ça c'est mon itinéraire un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais que je faisais en première année. Bon, et ben, vous savez quoi, on va passer par le rond-point de Rennes. Elle a les yeux bleus. Melinda, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'avances? Arrête, ça sert à rien! Oh là là, c'est insupportable, les gens comme ça! C'est rouge, ça sert à rien d'avancer quand c'est vert! Ou faites-le quand c'est intelligent, là, les gens en face, ils sont encore. Débile! Oh là!